Bon, elle a 4 ou 8 faces, cette grande pyramide. Bah, je sais pas, elle en a 5, c'est sûr, au moins, ça c'est certain. Certains disent que la grande pyramide de Gizeh possède 8 faces. Ouais, j'en ai entendu parler, là. Le truc avec les ombres, etc., là. Oui, les équinoxes. Voilà. Calendrier astronomique, fin du monde, tout ça. Bon, elle a 4 ou 8 faces, cette grande pyramide. Bon, aujourd'hui, on va parler de la grande pyramide de Khéops. Elle a détenu durant près de 4 millénaires le record de l'ouvrage humain le plus volumineux et le plus haut. La précision et le soin avec lequel on l'a construite sont tout aussi prodigieux. Scientifiques, professionnels et amateurs passionnés ambitionnent continuellement d'en percer les secrets. On ne compte plus les articles, les livres, les pages de discussion et les vidéos en ligne qui paraissent chaque année à son sujet. Une théorie qui l'entoure dit qu'elle aurait non pas 4 faces, mais 8. Mais qu'en est-il exactement? Cette vidéo fait le point sur la question. C'est ce que j'allais dire, Marcelin. Bon, parlons de ce phénomène intrigant des 8 faces de la Grande Pyramide. Lorsque le soleil vient éclairer l'une des faces de la Grande Pyramide et que la lumière est rasante, un creusement apparaît assez nettement sur les faces de la Grande Pyramide. À tel point que sur certaines photos, chaque face donne l'impression d'être pliée en deux au niveau de l'apothème. Mais qu'est-ce que l'apothème? Hein? C'est quoi l'apothème? Définition, s'il vous plaît. En ce qui concerne une pyramide régulière, c'est la distance la plus courte du sommet à une des arêtes de sa base. Au début du XXe siècle, André Pochant avait prétendu que cette observation n'était possible sur les faces nord et sud qu'au moment des équinoxes, au lever et au coucher du soleil. Il s'est corrigé par la suite, ayant remarqué que le phénomène était visible plus ou moins toute l'année. En réalité, il est possible chaque jour de l'observer sur les faces est et ouest, lorsque le soleil est à son zénith. Ce phénomène et cette singularité ont donné lieu à des tentatives d'explication diverses, autant par des chercheurs amateurs que par des égyptologues. Car oui, l'égyptologie n'a jamais nié le phénomène. Eh oui, eh oui. De nombreux archéologues se sont exprimés à ce sujet et ont aussi tenté d'en trouver la raison. Une étude scientifique récente, entreprise par Franck Monnier, vient d'ailleurs éclairer le dossier avec de nouveaux éléments. Alors de quand ça date l'idée du creusement des faces ? Assez curieusement, le creusement des faces n'est pas une particularité qui a sauté aux yeux des premiers explorateurs. En réalité, l'archéologue britannique Flinders Petrie est le premier à l'avoir décrit comme étant une caractéristique architecturale. C'était en 1883, voici ce qu'il en dit. Les faces de la maçonnerie du noyau sont très nettement creusées. Ce creux est une caractéristique frappante et en plus de la courbe générale de la face, chaque côté a une sorte de rainure spécialement au milieu de la face, montrant qu'il y a dû y avoir une augmentation soudaine de l'épaisseur du coffrage sur la ligne médiane. L'ensemble du creusement a été estimé à 37 pouces, environ 94 cm, sur la face nord. Cette courte description sera la source d'inspiration des théories du XXe siècle sur la concavité des faces. Mais on y reviendra un peu plus tard. D'autres explorateurs, bien avant Petrie, avaient noté et décrit quelques faits importants. Edmé François Jomard, l'ingénieur français ayant participé à l'expédition scientifique de la campagne d'Égypte conduite par Napoléon Bonaparte en 1798, a étudié dans les moindres détails la pyramide de Khéops. Et concernant ses faces, il a noté que ces marches sont plus conservées vers les angles, plus ruinées vers le milieu des faces. Une illustration effectuée lors de son voyage éclaire un peu plus son témoignage. La légende qui l'accompagne dans la description de l'Égypte dit que la partie claire marquée 10, un peu au-dessous du sommet, représente la rupture des pierres qui est plus sensible sur la ligne de l'apothème que partout ailleurs, à cause de la direction que prennent dans leur chute les pierres qui se détachent du sommet. Mais Jomard écrit aussi. L'on se garde surtout de monter par l'apothème, parce que c'est la ligne de plus grande pente sur chaque face, et que par là il tombe à tout moment quelques débris de la plateforme ou des autres points de cette ligne. La chute des fragments dans cette direction a même usé les bords des marches à tel point qu'il n'y aurait aucune sûreté à monter à 20 pieds à droite ou à gauche de l'apothème. Le climat agit peu sans doute sur des pierres du sommet, mais une fois et par une cause quelconque, elles sont ébranlées. Les Arabes et les visiteurs les détachent insensiblement et elles sont précipitées du haut en bas avec énorme fracas, brisant dans leur chute les bords des marches inférieures. Un militaire ayant pris part à la campagne d'Égypte,
Un certain Grobert a lui aussi gravi la Grande Pyramide. Et il a noté que... L'ascension de la pyramide est assez fatigante. Plusieurs pierres ont des lézardes imperceptibles. Elles sont cuites par le soleil et décomposées par la vétusté. Il arrive parfois qu'en croyant trouver un appui ferme sur une assise supérieure, on la saisit pour franchir celle qui est plus élevée. La pierre se détache, étant amenée par le poids du corps, quoiqu'elle ait paru entière, au premier aspect. Jusqu'à une certaine époque, on grimpait donc au sommet par le centre des faces afin de bénéficier d'un trajet plus court qu'aux arêtes. Mais le plus choquant dans cette histoire est que certains voyageurs s'amusaient à l'occasion à faire tomber volontairement des pierres du sommet de la Grande Pyramide. L'égyptologue Georges Golion, au milieu du XXe siècle, évoque cette pratique honteuse. De nombreux voyageurs prenaient plaisir à faire basculer des blocs arrachés de la plateforme pour les entendre dévaler dans un grondement de tonnerre. En résumé, ces commentateurs n'ont jamais évoqué un creusement comme l'a fait Petrie. Mais ils ont bien illustré par des gravures leurs propos sur la détérioration du monument. Donc les premières constatations ne font état que de dégradation et de creusement au centre des faces. Alors, à qui doit-on l'image d'une pyramide à 8 faces ? Ouais, à qui ? Eh bien à un Écossais, du nom de David Davidson, ingénieur de profession. En 1924, Davidson sort un livre intitulé « The Great Pyramid, It's a Divine Message », l'anglais est parfait, dans lequel il décrit et établit des corrélations entre les caractéristiques de la pyramide et des visions prophétiques sorties de son imagination. Ces deux sources d'inspiration sont Flinders Petrie et Charles Piazzi Smith, qui avaient déjà posé les bases de la pyramidiologie. Donc Davidson brosse une version très personnelle de ce que Petrie avait relevé sur les faces nord. Le creusement devient donc, avec lui, une figure géométrique parfaite, pliant nettement chaque face de la pyramide en deux parties égales. Il faut souligner qu'aucun élément supplémentaire, qu'aucune observation complémentaire ne vient étayer la vision de Davidson. Quoi qu'il en soit, la pyramide à 8 faces fait son apparition dans le débat archéologique et public. Le Français André Pochant suit les pas de Davidson en soumettant une théorie visant à expliquer cette curieuse géométrie. En 1935, il donne une communication à l'Institut d'Égypte avec laquelle il prétend montrer que les faces pliées de la Grande Pyramide, en particulier celle du Sud, n'étaient perceptibles que les jours d'équinoxe. Il s'appuie pour cela sur deux photographies en noir et blanc, dont l'une prise par avion et qui a été certainement retouchée. Enfin, elle a été retouchée d'ailleurs, cette photo. Il se corrigera plus tard en admettant que la lumière rasante du soleil révèle la concavité une grande partie de l'année. Donc on parle plus ou moins de concavité, de face pliée, de creusement des faces ou encore de pyramide à 8 faces. Du coup, tous depuis Petrie semblent admettre l'idée qu'il s'agisse d'une caractéristique architecturale et intentionnelle. La Grande Pyramide serait donc un édifice singulier et sans équivalent, puisqu'a priori, elle serait la seule à être conçue de cette manière. D'ailleurs, est-ce que la Grande Pyramide de Khéops est-elle la seule à avoir cette particularité, avec ses faces concaves ? Jusqu'à récemment, la littérature était assez vague sur ce point. Il faut dire que les rapports archéologiques existants sont souvent très anciens, incomplets, et ne s'attardent pas forcément sur ce type de détails. Un relevé photogrammétrique effectué par la société Iconem en 2018 sur la Grande Pyramide de Dachour et de Giza, les plus parfaitement conservées, a permis de faire un état des lieux très très précis. L'analyse des données faites par Franck Monnier a révélé que la concavité est caractéristique des pyramides de Mykérinos et de Khéops seulement. Celles de Snéfrou et d'Achour et de Khéphren à Giza en sont dépourvues. Mais la Grande Pyramide n'est pas un cas unique. Mais ce creusement, à quoi ressemble-t-il en clair ? Les réseaux sociaux et des documentaires relaient des photographies où l'on voit les faces de la Grande Pyramide très nettement pliées au niveau de l'apothème. Bien sûr, si on prend ces photos au sérieux, il semble évident qu'il y ait 8 faces plutôt que 4. Bah oui, je le vois là, hein ? Saint Thomas là. Je le vois qu'il y en a 8, hein ? 8. Mais voilà. Si la plupart sont fidèles à la réalité, certaines d'entre elles, les plus relayées, sont clairement retouchées avec Photoshop pour convaincre plus facilement l'auditoire. La célèbre photographie aérienne reproduite par André Pochant a elle été aussi clairement retouchée. Eh oui. Mais cette pratique était courante au début du XXe siècle lorsque les photographies étaient de piètre qualité. Et la démarche d'ailleurs n'est pas forcément malhonnête ou obligatoirement malhonnête. Si l'on se convainc de ce que l'on veut illustrer, il peut être tentant de forcer le trait. Mais en agissant de cette manière, on se soumet à une pareille d'olie. Qu'est-ce qu'une pareille d'olie ? Définition, s'il vous plaît. Type d'illusion qui fait qu'un stimulus vague ou ambigu est perçu comme clair et distinct par un individu. Ce type de pareille d'olie nous conduit à distordre la réalité, même de façon imperceptible. Attention,
Là ici, le propos n'est pas de nier l'existence du creusement ou de la concavité des faces. Il est important de disposer d'informations précises avant de tirer des conclusions. Pour l'illustrer, il suffit de se rappeler de la pareidolie la plus connue de la fin du XXe siècle, celle du visage sur Mars, ou du relief de Sidonia, plus communément appelé. Une photo prise par la sonde Viking 1 en 1976 avait fait le tour du monde pour avoir révélé un relief montagneux en forme de visage. Cela avait évidemment ravivé les fantasmes de civilisations extraterrestres jusqu'à ce que dans les années 90 et 2000, des photographies plus nettes soient prises. C'est avec la précision des photos et de ces nouvelles informations que naturellement le mythe a pris fin. L'appareil de Lee a clairement fait son œuvre sur la Grande Pyramide, l'impression étant particulièrement renforcée par des rainures profondes situées au centre des faces. On a réalisé une petite expérience pour évaluer à quel point cette rainure centrale impactait notre façon de percevoir l'aspect de l'édifice, dès lors que l'on parle de concavité ou de huit faces. Nous avons placé côte à côte une photo originale de la Grande Pyramide et la même, mais retouchée de façon à éliminer les rainures centrales. Il apparaît que ce qui semblait absolument évident de prime abord, c'est-à-dire l'existence de double face, n'apparaît plus du tout une fois que les rainures centrales ont été supprimées. Attention, j'insiste sur ce point, il existe bien un creusement au centre des faces. Son aspect et son origine, en revanche, donnent matière à discussion. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, on va regarder un petit peu les mesures laser effectuées en 2004 par la mission Scanning of the Pyramid Project, et un relevé de photogrammétrie ayant été effectué par la société Iconem et analysé par Franck Meunier en 2018. Ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair déjà. Des vues en coupe en trois dimensions permettent de suivre le tracé des assises de la Grande Pyramide. Première constatation, il existe bien un creusement affectant la partie centrale des faces. En revanche, sa profondeur est extrêmement variable. Les projections de la mission Scanning of the Pyramid Project montrent de manière claire que les faces ne sont pas pliées en deux, mais qu'elle possède un creusement de plus en plus prononcé à mesure que l'on se rapproche de l'apothème et du sol. De plus, celui-ci est loin d'être homogène. Il est au contraire très irrégulier. Deuxième constatation, les zones centrales des faces sont de plus en plus érodées et détériorées lorsque l'on se rapproche du centre. Les blocs, des arêtes, sont en revanche en meilleur état. Chez Mykerinos, on observe la même chose, mais au-delà de la 15e assise, c'est-à-dire au-dessus du parement en granit rose. Alors comment expliquer la concavité ou les huit faces? Que l'on évoque une concavité ou bien huit faces, la première question qui nous vient à l'esprit est pourquoi cette pyramide, et celle de Mykerinos, possède-t-elle ces singularités? Est-ce que cela a un sens ou une fonction? Un truc magique, hein, un truc comme ça là. L'hypothèse d'André Pochon, celle qui consiste à déterminer le jour de l'équinoxe ou bien les périodes précises de l'année en fonction de l'ombre portée sur les faces, ne tient pas pour deux raisons. La première est que le phénomène est en réalité observable tous les jours, surtout l'hiver, sur les faces est et ouest, lorsque le soleil est à son zénith. La seconde raison est que l'état actuel du monument qui rend possible ce phénomène n'est pas le même que lorsqu'il était parfaitement intact. La pyramide est aujourd'hui entièrement dépourvue de son revêtement de calcaire. Les quelques vestiges de blocs de parement au pied de la face nord montrent que les alignements étaient parfaitement rectilignes. On l'observe aussi à la pyramide de Mykerinos, qui a conservé une grande partie de son revêtement en granit. Un relevé de terrain très précis entrepris par l'Américain Glenn Dash à la pyramide de Khéops a récemment confirmé ce fait. Donc, aucun doute, lorsqu'elles étaient intactes, les pyramides de Khéops et de Mykerinos arboraient des faces parfaitement planes, comme dans toutes les autres pyramides d'ailleurs. Je vois pas pourquoi ça changerait. Cela invalide donc toutes les hypothèses astronomiques. Et esthétiques et ésotériques. Et magiques même, magiques. Il reste donc les explications relatives aux structures et aux bâtiments. Flinders Petri a suggéré qu'il pourrait avoir aidé à poser soigneusement les blocs de parement. L'objectif d'une telle surépaisseur sur la ligne médiane de chaque face pourrait être de poser une ligne de parement particulièrement fine, soigneusement ajustée à l'angle requis de chaque côté, puis de régler ensuite tout le reste par rapport à cette ligne. Ces tentatives d'interprétation demeurent très vagues et n'expliquent pas en quoi le creusement s'observe chez Khéops et Mykerinos, mais pas sur les autres pyramides. Bah oui, ça compte ça quand même, Il y a plusieurs des pyramides en Égypte, Toutes les théories établies sur le terrain de la construction sont finalement mises en défaut, parce que si elles pouvaient s'adapter à toutes les autres pyramides, nous le constaterions cette concavité partout. Sinon, autre idée, devrait-on considérer que les pyramides de Khéops et de Mykerinos aient adopté un système de construction différent des autres? Martin Isler suit aussi cette idée, mais en postulant par erreur,
que les assises des blocs étaient incurvées selon le plan horizontal. Sa théorie ne tient donc pas. James Fredericks Edwards soutient quant à lui que l'élévation des blocs le long des faces, lors de la construction, est provoquée à un renfoncement de plus en plus prononcé au niveau de la maçonnerie. Il doit donc supposer un système constructif particulièrement périlleux pour tous les blocs de la pyramide, ainsi qu'un comportement structurel qui est loin d'être évident, disons même douteux. Là aussi, en admettant qu'il ait raison, comment expliquer que le creusement ne s'observe pas sur toutes les pyramides? Et pourquoi chez Mykerinos, ce creusement n'intervient qu'à partir du quart de la hauteur? Encore une fois, ces points de vue posent en somme plus de questions qu'ils n'en résolvent. J'ai envie de dire, comme d'habitude. À ce stade, il est établi que les faces de la pyramide de Khéops et de Mykerinos possèdent un creusement très hétérogène, s'accentuant au centre et près du sol. Et surtout, on sait qu'elles étaient parfaitement planes à la base, lorsque le revêtement était encore intact. Ces rainures ne sont donc apparues qu'après le démontage des parements, fait par les carriers du Moyen-Âge. Selon Franck Monnier, il est possible que ce creusement soit la conséquence du processus du démontage du parement effectué chez Mykerinos et Khéops, ainsi que des dégradations perpétrées par les touristes durant des siècles. En effet, il constate chez Kefren que les blocs de parement ont été extraits du bas vers le haut. Et donc, si la même chose s'est produite chez Khéops, la chute répétée des blocs sur la face de la pyramide a dû générer un creusement proportionnel à la quantité de blocs exploités. Plus on se rapprochait de l'apothème et de la base, plus les impacts étaient nombreux. Ah oui, c'est logique. À l'aide d'une illustration très simple, produite à l'aide d'un tableur, qui montre la répartition des impacts, dans le cas simplifié d'une répartition parfaitement homogène, l'ajout d'un volume équivalent à celui qui a été enlevé du sommet aboutit à un résultat remarquablement similaire à la projection horizontale produite par les relevés laser de The Scanning of Pyramid Project. En modélisant en 3D cette répartition, il est possible de simuler les ombres produites en fonction de la position du soleil et le résultat est étonnamment identique à ce que l'on observe sur le terrain. Vous allez me dire, démonter des blocs de bas en haut, c'est un peu bizarre ça quand même, hein? Alors cela pourrait paraître idiot, mais c'est pourtant bien de cette sorte que les carriers arabes, et ceux du Moyen-Âge, ont opéré sur la pyramide de Khéphren. Son état actuel le prouve d'ailleurs. C'est aussi ainsi qu'ils ont commencé à exploiter la pyramide rhomboïdale de Dachour. L'astuce était donc d'enlever les blocs à partir du bas, afin que les assises supérieures soient mises en porte-à-faux au-dessus du vide. De la sorte, beaucoup moins d'efforts étaient requis pour provoquer la chute des blocs. Oui, pas bête. La pyramide de Mykerinos possède une maçonnerie interne identique à celle de Khéops. Elle fut néanmoins recouverte au quart inférieur d'un revêtement en granit rose qui demeure en grande partie sur la face nord. La photogrammétrie met en évidence un creusement similaire à celui de la grande pyramide, mais uniquement à partir de la 14e ou 16e assise. Les côtés de cette base en granit sont parfaitement rectilignes là encore. Là aussi, cette différence peut s'expliquer par la méthode d'exploitation. Le granit étant une roche extrêmement difficile à tailler, donc naturellement, les carriers se sont attaqués en priorité au revêtement en calcaire. De bas en haut, selon leur habitude. C'est seulement bien plus tard, notamment au début du 19e siècle, que les blocs de granit furent démontés, du haut vers le bas cette fois, en raison de la dureté du granit. En tout cas, ce que prouvent les vestiges encore en place, c'est que ces blocs ayant dévalé sur le parement en granit, encore en place, le massif n'a pas souffert d'impacts répétés. Et là, a conservé son aspect rectiligne sur les quatre faces. Le creusement des faces serait donc une conséquence des interventions humaines les plus tardives. Mais il reste que Khéphren et Snéfrou à Dachour Nord ne sont pas creusées, bien qu'elles aient été exploitées là aussi. Alors comment l'expliquer? D'après Franck Monnier, les caractéristiques différentes de leur maçonnerie au regard de celles de Mykerinos et de Khéops pourraient expliquer que le démontage de leur revêtement n'ait pas eu lieu de la même manière. La pyramide de Mykerinos montre à elle seule que le creusement apparaît en fonction des diverses caractéristiques que l'on peut rencontrer. Dans ce cas de figure, c'est la présence du granit. Donc, pour conclure, la pyramide de Khéops a-t-elle 8 faces? Non. Ses faces sont-elles creusées ou vaguement concaves? Oui. La pyramide de Khéops est-elle la seule à posséder cette particularité? Non. La pyramide de Mykerinos l'a également. Cette concavité est-elle une caractéristique architecturale intentionnelle? Non. Elle n'est apparue qu'après le démontage du parement, durant le deuxième millénaire de notre ère. Bon bah voilà. Tout est dit, tout est là. Et bam! Enfin, et bim! Je vais donner la parole à Franck pour nous parler un petit peu de ses recherches et de son article qu'il a rédigé sur les 8 faces. Salut Cyril. Oui, alors je m'y suis naturellement intéressé parce que j'étudie les pyramides depuis de nombreuses années. Hein. Ça fait partie de mes principaux champs de recherche.
Donc j'étudie l'architecture des pyramides, notamment des grandes. Dans mes lectures, d'ailleurs depuis très jeune, dans mes lectures, j'ai souvent croisé le problème de la concavité des faces de la grande pyramide de Khéops. Donc en 2018, j'ai eu l'opportunité d'étudier le résultat d'une photogrammétrie qui avait été entreprise dans le cadre d'une émission produite par Label News, donc qui est parue sur RMC depuis. Donc cette photogrammétrie a été faite à la pyramide de Khéops, pyramide de Khéphren, pyramide de Mykérinos, donc les trois à Giza, et aux pyramides de Snéfrou et d'Achour, donc la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Et donc ça, voilà, j'y ai trouvé une opportunité d'analyser la question. Fort de cette photogrammétrie effectuée par la société Econem, j'ai pu donc analyser l'extérieur de la grande pyramide de Khéops, des grandes pyramides de Giza et d'Achour. Si je me fie à l'état des lieux de la grande pyramide de Khéops, par exemple, j'ai constaté que les faces étaient fortement dégradées. Et donc, si on relit un peu ce qu'on observe sur le site et ce qu'on lit dans les descriptions des voyageurs au fil des siècles, eh bien, on aperçoit que finalement, que la pyramide de le parent de la pyramide de Khéops a été démonté, et que ce démontage n'a pas dû être sans conséquence, justement, sur l'aspect de l'édifice tel qu'il est aujourd'hui. J'ai matérialisé avec Excel mon hypothèse, c'est-à-dire que chaque bloc de parement en dévalant le long des faces de la pyramide venait impacter tous les blocs situés en dessous. Donc là, on a finalement une modélisation du nombre d'impacts des blocs de parement, du nombre d'impacts des blocs qui ont chuté sur tous les points de la pyramide. Donc ça me permet de produire une image rigoureusement exact de ce modèle-là, pour ensuite l'introduire dans un logiciel 3D qui s'appelle Blender. Je vais utiliser cette image-là pour pouvoir ensuite modéliser en 3D le renfoncement au niveau des faces d'une pyramide et ensuite jouer avec la lumière pour voir ce que ça va produire comme effet visuel. Et on pourra comparer avec la réalité. On est ici sous Blender, j'ai modélisé en 3D une grande pyramide avec plus d'une centaine d'assises. On voit bien l'aspect en escalier ici. Et donc le but, c'est d'appliquer à la face d'une pyramide, ici, alors ce qu'on appelle en bumping en 3D, c'est-à-dire je vais appliquer l'image sur cette face-là, donc là, on la voit ici, j'ai repris l'image d'Excel, et je l'applique sur ma face, pour dire qu'avec un effet de bumping, je puisse avoir le résultat, là, et on va le voir, Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, finalement, le soleil, il est parfaitement aligné dans l'axe. Et on a vraiment, un effet qui ressemble à un effet de concavité tel qu'on l'observe. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté... ici, c'est particulièrement évident. On a vraiment l'impression que les faces sont pliées. Alors pourquoi? Tout simplement, ce que j'ai pris ici, le modèle Excel un peu plus élaboré, qui prend en compte, vous voyez, la fine rainure centrale qui se situe sur les quatre faces. Alors cette rainure centrale, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, elle représente tous les blocs qui ont dévalé depuis le sommet, puisqu'en fait, on avait démonté le sommet du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Donc les touristes, les voyageurs s'amusaient même aussi à faire dévaler les blocs le long des faces. Donc si on se situe au sommet et qu'on fait dévaler un bloc, mais forcément, la région qui va être impactée, c'est cette, c'est ce qui correspond à cette rainure centrale-là. Et c'est effectivement ce qu'on observe sur le plateau de Giza. Vous voyez, même quand le soleil n'est pas aligné suivant l'axe nord-sud ou est-ouest, eh bien, on observe toujours la concavité. Alors, on l'observe plus ou moins bien, forcément. Mais vous voyez que même là, sans être forcément au moment de l'équinoxe, on a toujours la possibilité de visualiser cette concavité. Mais beaucoup se posent la question de se dire pourquoi la pyramide de Khéphren et la pyramide rouge, par exemple, n'ont pas cette concavité, en fait, parce que les blocs ont été démontés de bas en haut aussi chez Khéphren. Voilà. Alors, chez Khéphren et Khéops, on a une maçonnerie qui est... des maçonneries qui possèdent des caractéristiques différentes. La pyramide de Khéops est faite de blocs avec des assises de hauteur variable, de gros blocs. Alors, des blocs qui sont souvent situés... on voit des sortes de décrochements. Ils ne sont pas alignés. Voilà. En gros, si on regarde du dessus, il n'y a rien d'aligné. Par contre, en revanche, à la pyramide de Khéphren, les blocs du noyau, de ce qu'on observe aujourd'hui, eux, ils sont parfaitement alignés, ils sont beaucoup plus réguliers. Alors, pourquoi ça, je ne sais pas.
on a une différence de maçonnerie qui est visible. Quelle en est la raison? Alors voilà, peut-être que cette différence de caractéristiques des maçonneries a eu un impact sur la façon déjà d'extraire les blocs de parement, de les faire dévaler le long des parois, et aussi de la manière de les démonter. Alors je suis dans l'hypothèse totale, hein, je sais pas, c'est quand même très compliqué d'avoir une réponse à tout dans ce dossier, mais voilà, ce que j'observe, c'est que chez Kefren et Keops, on a deux appareils de maçonnerie très différents. Voilà. Et chez Kefren, on n'a pas terminé l'exploitation du monument, il en reste encore une grosse partie tout en haut. Ce qui fait que finalement, bon, les impacts ont été moins nombreux que chez Keops, et en plus, le sommet est toujours intact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des voyageurs qui se sont amusés à gravir jusqu'au sommet pendant des siècles, abîmant davantage le centre des faces, ce qui a été le cas chez Keops. Et on n'a pas eu non plus des voyageurs qui se sont amusés à faire dévaler des blocs, comme ils l'ont fait chez Keops. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui finalement montrent bien qu'on a forcément un résultat différent chez Keops et chez Kefren. Bah du coup, merci Franck pour ces précisions. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets? Alors actuellement, je travaille sur un livre qui va reprendre toute la documentation proprement égyptienne relative à la construction. C'est-à-dire que mon livre est terminé, là, il est en cours de publication, il sera publié à la fin de l'année. C'est redonner la parole aux Égyptiens. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de construction, on a des théories qui s'accumulent à tout va, et finalement beaucoup de théories qui repassent sur pas grand-chose. Et moi j'ai trouvé que c'était bien pour la première fois de parler de construction égyptienne en laissant principalement la parole aux Égyptiens, c'est-à-dire en reproduisant leurs documents, les scènes, les grandes scènes, les grandes fresques, les textes, les papyrus. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de documents qui sont très très méconnus. Et donc ça, je pense que ça va être très 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 instructif, voilà, d'essayer de comprendre comment les Égyptiens ont construit. Alors il y a beaucoup de lacunes forcément, mais en tout cas il y a beaucoup d'informations et c'est passionnant. Bah écoute, c'est super, on a vraiment hâte de voir ça. Je te remercie Franck. Et je t'en prie Cyril, merci à toi, à bientôt. Je tenais à remercier Franck Monnier pour son aide précieuse à l'écriture de cette vidéo. Je vous remercie vous aussi les abonnés car vous êtes de plus en plus sur la chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie aussi ceux qui donnent sur Tipeee, qui m'aident à produire ce contenu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ça, c'est énorme. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles idées pour la chaîne. Vous avez déjà pu voir que je me suis ouvert vers d'autres horizons. Je vous donnerai très prochainement l'occasion de me poser des questions dans une FAQ. Et puis, on en profitera aussi pour fêter le million de vues du documentaire Pyramide le Grand Virage sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère qu'on pourra échanger un petit peu tous ensemble au travers d'un live. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !